Les mouflons de Dol sont aux premières loges de cet enfer glacé. Ils ont investi les pentes les plus exposées au vent, où les dernières touffes d'herbe sont encore accessibles sous la fine couche de neige. Ils ont besoin d'énergie, car c'est en cette période que les béliers se mesurent les uns aux autres. À l'approche du mois de décembre, le rude déclenche un ballet incessant de parades amoureuses et de combats de cornes sur des pentes à 45 degrés. Ce jeune vient compter fleurette à une brebis qui lui indique ses dispositions hormonales. Elle est prête. Mais la belle a plus d'un prétendant. Les mâles célibataires vivent à l'écart des femelles et des juvéniles la majeure partie de l'année. Tout ce petit monde se rassemble au début de l'hiver pour la période d'accouplement. Plus ses cornes sont magnifiques, plus un bélier a de chances de s'accoupler. La parure de celui-ci est impressionnante. Le don Juan sait ce qu'il veut, et cette femelle semble tout à fait réceptive à ses avances. Mais là encore, les prétendants sont nombreux. Les mâles se connaissent bien. Ils se sont déjà maintes fois affrontés au fil des années. Et quand les charmes d'une femelle sont en jeu, l'heure des politesses est révolue. Les rivaux se toisent et s'asticotent. Les coups bas fusent. Puis les combats de cornes débutent, sans ménagement. Le vainqueur affiche sa domination. Les blessures graves sont rares, mais cette fois, le vaincu est marqué.